Et yo, salut tout le monde, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un nouveau challenge de construction sur les Sims 4 dans la série des une pièce, un quelque chose. Et aujourd'hui, on se retrouve à Del Sol Valley avec cette petite maison, enfin petite, tout est relatif, pour tout simplement, eh bien, faire ce challenge. Alors, si j'ai pris Del Sol Valley, je pense qu'au vu du titre, vous savez pourquoi, je me suis dit que ça serait marrant de le faire bien dans une ville qui fait un peu référence au cinéma, puisque, bien évidemment, ça va être le cas pour ce challenge. Donc voici, comme c'est indiqué dans le titre, ça sera une pièce, une série Netflix. Alors attention, j'ai pris les séries, je crois, normalement originales, ou les séries normalement vraiment très célèbres sur Netflix, mais j'espère avoir pris que des originales, histoire de pouvoir faire le tri entre les séries, on va dire, d'une autre marque de production, enfin je sais pas comment on appelle ça, et les séries tout simplement produites par Netflix. Donc on a tout simplement Stranger Things, Riverdale, Sabrina, que je n'ai pas vu, donc je vais essayer de faire ça au feeling, La Casa de Papel, Peaky Blinders, The Crown, Dark, Elite, You, Designated Survivor, qui est une série, je crois, pas très connue. Orange is the New Black, pareil, que je n'ai pas vraiment vu, mais je me dis qu'on peut facilement faire quelque chose. Black Mirror, alors j'ai vu quelques épisodes, je vous avoue, et je les regarde des fois en désordre, donc voilà. Narcos, j'ai hésité à la mettre, mais si je tombe là-dessus, je ferai plutôt quelque chose sur la DEA, les personnes qui ont traqué, on va dire, les narcotrafiquants, voilà. Et The Witcher, alors The Witcher, j'ai regardé la série, mais je vous avoue, j'ai pas trop compris. Mais par contre, j'ai adoré. Alors, désolé si ma chaise est grince. The Witcher, oui, j'ai regardé la série, j'adore l'univers, j'ai pas trop compris, je vous avoue, on va dire l'histoire, heureusement que mon petit frère était là pour m'expliquer, enfin bref, voilà, on a toutes ces séries là, je ne les ai pas vues je crois sur une chaîne, mais comme d'habitude, je vous mettrai dans la description de la vidéo si jamais c'est le cas, mais il me semble pas, j'ai cherché et j'ai pas vraiment trouvé, à part peut-être sur des chaînes anglophones, et bien évidemment on aura bien les salles qui seront les chambres, la chambre plutôt, le bureau, le salon, la salle de bain, la cuisine et la salle à manger. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Voilà, ça me ferait énormément plaisir. Et comme d'habitude, dans la description de la vidéo, il y aura tous les réseaux, tous les liens de mes réseaux sociaux que j'ai sortis ce week-end. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Allez, on va commencer tout de suite avec la pièce, comme d'habitude. Je vous présenterai la maison tout à l'heure. Alors, on commence tout de suite avec la chambre, ok. Et franchement, j'ai un petit peu peur, comme d'habitude. Les premières fois, j'ai toujours peur dans le The Witcher. Ok, d'accord. Super. Donc voici la maison. Donc je l'ai fait un peu dans l'ambiance Hollywood, on va dire ça comme ça. Donc il y aura la chambre, le bureau, ensuite la cuisine, la salle à manger ou la salle à manger, la cuisine, ou la cuisine, salle à manger, bref. Et enfin la salle de bain et le salon. Alors on commence tout de suite avec la chambre, je vais la mettre ici. Donc pour The Witcher déjà je sais que comme porte on va placer quelque chose comme ceci. Alors je pense qu'on va partir sur du bois pour le papier peint, enfin le papier peint pour la salle, mais j'aimerais bien un peu comme ceci. Donc voilà, j'ai fait un peu cet esprit là pour la chambre. On va partir sur quelque chose d'assez médiéval. Je sais pas si ça... Enfin, je pense que ça a beaucoup d'inspiration de cette époque. Ça fait un peu trop, j'ai l'impression. Il n'y a pas de lit avec cette petite touche ancien, ou alors on prend ça, mais non. En fait, c'est les couvertures qui me gênent. Ah non, je pense qu'on va prendre plutôt ça. Parce qu'il y a quand même un peu de la magie dedans, donc ouais, on va prendre ça, mais on va le mettre dans une autre couleur. Oh, comme ça. Oh ouais. Là, je trouve que ça le fait bien. Le miroir qui est quand même assez important, puisque c'est là où Yennefer, en fait, elle se contemple, on va dire, et se transforme. Je crois qu'il y avait un miroir un peu comme ça, dans ce délire-là. Ouais, vous savez quoi, je vais mettre ça. On va prendre ce tapis-là. Après, j'ai pas envie que ça ressemble trop à Sabrina aussi, même si c'est pas du tout dans le même thème en termes de décoration, mais... Ah, je vais mettre une cheminée. Ouais, peut-être celui-ci. Ah, il a deux épées qui sont assez importantes. Ça, je sais où on peut en trouver. Oh, quoi que celle-ci. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre pour rappeler The Witcher? Ça va être très compliqué, hein, franchement. Essayez, dites-moi si vous essayez à faire des challenges de votre côté. On va mettre ça un peu pour rappeler l'ambiance qui règne dans cette série. Je pense que Windhammer va peut-être bien nous aider. Peut-être pas tant que ça, en fait. Ah zut. Ah tiens, on peut la cheminée, hop, pour mettre le feu. Enfin, pas le feu dans la chambre, quoique c'est pas très très conseillé en fait, vraiment. J'ai bien envie d'utiliser un tonneau, voilà. Oh, quelque chose comme ça. Ça rappelle un peu Yennefer. Oh, de ouf, ça peut rappeler Yennefer qui regarde par la fenêtre. Ou qui regarde au miroir. Oh punaise, ça fait trop flipper.
Oh là là. Je crois qu'il y avait, quand Yennefer a été vendue à la sorcière référente, je crois que son père avait dit, même 5 cochons ne valent pas son prix, ou un truc. Attendez, je vais m'enseigner. Non, alors je viens de revoir, en fait, non, il dit pas que sa fille vaut tant de cochons, mais en tout cas, elle vaut moins bas qu'un cochon. Donc, est-ce qu'on met pas la statue d'un petit cochon? Mais est-ce qu'on va deviner que c'est 4 qui vaut 10 marks, je crois, 10 marks? Et Yennefer, je crois qu'elle valait 4 ou 5 marks. Bah oui, je viens de le voir, mais je crois que c'était 4 ou 5 marks. Oh punaise, mais les gens, ils vont pas comprendre. Comme d'habitude, dans les constructions, je crois que les gens qui comprennent pas, ils vont pas comprendre. Mais voilà, en gros, un cochon vaut 10 lingots, 10 marks, 10 marks. Je sais plus. Et Yennefer vaut bien moins cher. Il faudrait... Oh, Yennefer! Ça pourrait être Yennefer, hein, franchement. Est-ce qu'on peut faire référence à Jaskier? Je pense pas. On n'a pas de... Ou peut-être une petite guitare pour faire référence à Jaskier. Bon, c'est pas une guitare qu'il a, mais bon, on va dire que c'est tout comme. Pour faire référence à son cheval. Pourquoi il faut toujours que je parte dans des délires comme ça? Mais bon, en plus, ils sont dans la même couleur, presque. Donc, franchement, pourquoi pas? Ouais, alors attendez, elle est en rouge ou elle a les yeux mauves? Il me semble qu'elle a les yeux mauves, on va rester sur ça. Bon, voici la chambre dans The Witcher. Honnêtement, je suis plutôt contente, je pensais pas m'en sortir, sincèrement. Donc voilà, allez, on va passer à la prochaine pièce. Allez, après la chambre, qu'est-ce qu'on a donc? On a le salon. Allez, on passe tout de suite pour le salon, ça va être... Narcos, oh punaise, Narcos. Alors c'était vraiment, Narcos et The Witcher, c'était des séries que je pensais pas du... Enfin, que j'ai mis au dernier moment, et je me demande pourquoi. Bon, clairement, le salon, il est ici. On va faire une prison. Oh oui, on va faire une sorte de prison. Alors j'espère qu'on va pas confondre avec The Orange is the New Black. Non, quoi qu'ils ont pas un bureau comme ça. Non, non, du tout, ils ont un bureau plutôt, ouais, comme dans ce délire-là. Mais je vais plus le mettre, voilà, dans ce sens. On va mettre des tiroirs. Ouais, voilà, ils sont ici. Alors, je changerai les couleurs parce que les couleurs, on est d'accord pour dire qu'elles sont horribles. On va mettre... ouais, est-ce qu'on met un banc de prison? Je pense pas, non. On va plutôt mettre quelque chose comme ça. Voilà, j'aime bien le style. On va mettre les découpures de journaux. Mais il faudrait que je fasse penser à quelque chose dans la scène de Narcos qui soit assez marquante. On va faire une prison. Tout va bien, voilà. Alors je sais que c'est pas vraiment comme ça dans la série, mais on va faire comme si, hein. Ouais, attendez, on va mettre ça. Alors ça fait shérif, mais ça peut faire DEA. Comment ça s'appelle ? Cette pièce sera très très bizarre, je vous l'accorde. Hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Oui, le truc pour faire des photos. Ah, ça c'est pas mal. Ça fait clairement référence, vous savez, quand Pablo Escobar, il avait fait, enfin je sais pas si vous le savez, mais la photo très célèbre de Pablo Escobar quand il a fait sa première photo... au commissariat, elle est devenue très très célèbre. D'ailleurs, je sais pas si vous la connaissez. On va mettre la petite mallette pour faire un peu référence à la corruption. J'aimerais bien que les mallettes, elles soient un peu côte à côte. Youp là. On va mettre les ordinateurs. Bon, clairement, je prends des vieux ordi, hein, pour faire référence un peu à la série. Je vais pas mettre les ordinateurs récents. Ah voilà, c'était ça, les dossiers. Hop. Ah oui, on peut mettre aussi... Alors attendez... Un peu des dossiers, voilà, sensibles. Alors, en fait, ça ressemble plus à un poste de police qu'autre chose. On va mettre le drapeau. Alors, non, le drapeau des États-Unis, bon, il est pas comme ça, mais bon. On va faire tout comme. On va mettre un tapis, ouais, dans ce... Pareil que pour Captain America, on va rester dans ce délire-là. Est-ce qu'il y avait pas le truc sur écoute? Il me semble qu'il y a un truc sur écoute. Ouais, voilà. Oh, attendez, je suis en train de voir un truc. C'est que dans The Witcher, j'ai pas mis la lumière. Attendez. On va mettre celle de Windenburg. Hein. Je pense qu'elle correspond bien à l'univers. Voilà. Allez, on retourne sur Narcos. Je pense qu'on va prendre quelque chose comme ça. Et on va prendre, pareil, un motif papier peint. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, alors? Ah, ouais, peut-être celui-ci. Ouais. Oh, punaise. Oula, désolée. Ouais, ça, c'est plutôt pas mal. Je me vois pas mettre une table basse, en fait, à vrai dire. Je pense que je vais délimiter la zone à photographier. Voilà, j'ai un peu fait une prison pour prendre la photo. Peut-être à rajouter des choses de Salvadorada pour rappeler la Colombie, on va dire. Me demandez pas pourquoi, c'est juste pour rappeler la Colombie, en fait, un peu dans l'esprit tropical. Donc voilà, honnêtement, je pense pas partir sur autre chose. On va juste rajouter les lumières. Ah oui, on va mettre un peu ça aussi pour faire un peu le classement des dossiers. On va mettre ça plutôt ici, je pense. Hop, je sais pas pourquoi, mais...
Ouais, faut pas chercher à comprendre. Donc voilà, en tout cas, le salon de Narcos, enfin qui fait référence à la série Narcos, et on a choisi tout simplement, eh bien, de faire un peu le salon de la DEA. On a ici, donc comme je vous l'ai dit, là où Pablo Escobar a fait la fameuse photo qui l'a rendu assez célèbre, il me semble, dans le monde, les trucs d'écoute, parce que les écoutes ont été très importantes pour la traque des narcotrafiquants. Donc, et puis bah voilà quoi, c'est tout. Je pense que c'est plutôt pas mal. On fait référence aussi à la corruption avec les billets, avec les mallettes, avec les billets. Mais honnêtement, je pense que c'est plutôt pas mal. Allez, on va passer à la suite. Allez, c'est parti pour la prochaine pièce. Il en reste que 4. Donc, on passe à la cuisine. Ok, c'est vrai qu'une cuisine Narcos, je vous avoue, j'aurais pas su quoi faire, en fait. Très clairement. Allez, on y va pour la prochaine série qui est donc Elite. Elite, oh non, franchement, je voulais faire plutôt un bureau Elite, mais de là à faire une cuisine, je pense savoir. Alors, la cuisine, je pense qu'on va la mettre ici, on va faire quelque chose un peu à la fac, mais pareil, ça va être compliqué parce qu'on peut confondre avec, comment ça s'appelle, Riverdale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme cuisine? Ça, c'est la question. j'ai bien envie de mettre une sorte de musique, ouais, un peu dans ce, la fac, quoi. Est-ce qu'on mettrait rouge et noir pour faire référence, en fait, un peu à la série où là, ça fait vraiment référence à Netflix. Mais je crois que la série, c'est bien rouge et noir, le logo. Bon, en fait, ouais, c'est rouge et noir ou ça peut être rouge et blanc. Bon, écoutez, on va rester sur le rouge et le noir. Quoique non, c'est dans une université assez prestigieuse, donc on va plutôt partir sur ça. Et le frigo, pareil, on va prendre un frigo assez classe et moderne. Ouais, voilà, comme ceci, c'est parfait. Ah oui, qu'est-ce qu'il faut mettre? La statue. Ou alors on met un prix, on va dire au hasard, comme ceci là, comme ça. Ouais, peut-être qu'on va mettre ça dans une sorte de petit truc enfermé. Ouais, ou alors on va mettre quelque chose de plutôt riche, on va dire, pour faire ressortir le côté riche de la faculté où ils sont inscrits. On va prendre Heure de Gloire, je vais voir s'il y a des petites choses à mettre. Oh, quoique ça c'est plus joli, ouais, que le pot de fleurs que j'ai mis. Oh, attendez, piédestal. Impeccable. Est-ce qu'on prendrait pas plutôt ce piédestal pour mettre le prix? Il fait un peu... Bon, ok, d'accord, salut. Il fait un peu plus classe que celui qu'on avait mis. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je change de côté puisqu'en soi, il y a rien qui change. Faudrait faire référence au cours, donc on va mettre une bibliothèque. Ouais, on va la mettre là. C'est dommage qu'on puisse pas en mettre deux, ça aurait été bien. Mais alors dans ce cas-là, il faudrait enlever eh bien un meuble et mettre plutôt un coin de meuble. Je pense que c'est mieux. Ah voilà, là je pense qu'on est plutôt bien. Oui, moi je trouve que c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal comme ça. On va juste mettre les sols et les motifs de papier peint. On peut mettre ça. Ah oui, le E avec Elite. Ça fait trop bien, non? Alors je m'attendais pas du tout à avoir un truc comme ça, mais ça peut le faire, hein. Et on va mettre les mêmes meubles, mais en version comptoir. Voilà, comme ceci. Par contre, à chaque fois, je sais pas si les chaises vont devant ou derrière. Ah, elles vont ici. Ok, super. Bah écoutez, on va mettre une noire et une rouge ici. Voilà. Ou alors, j'aurais pu mettre une blanche. On va mettre des livres. Ouais, c'est là où je pense qu'on va blinder de livres, de trucs, on va dire, un peu qui rappellent les étudiants. Ouais, non, mais là, je pense que ça fait bien quand même une faculté, on va dire. Ouais, ça fait un peu moderne. On va juste... je pense que c'est les lumières qui vont un peu séparer, on va dire, les meubles de bar, là, les comptoirs. Oula! Moi, je trouve que ça me rappelle beaucoup Elite. Honnêtement, sans vouloir me jeter des fleurs, vous savez comment je suis maintenant, hein. Mais je trouve que, franchement, je m'en sors pas mal. On peut pas trop confondre avec Riverdale. C'était ma petite crainte, en fait, sincèrement. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, si ça fait Elite ou pas. Moi, je trouve que quand même... ça fait pas mal penser à Elite. Alors peut-être pas que j'aurais trouvé du premier coup, mais voilà, en tout cas je suis vraiment trop contente, je m'attendais pas à ce résultat, et ma foi j'aime plutôt bien. Allez, on va passer tout de suite à notre pièce. Allez, il nous en reste plus que 3, et maintenant on va passer au bureau. Alors le bureau, j'aimerais bien avoir Peaky Blinders, honnêtement, c'est une série que j'adore. Vraiment, n'hésitez pas à me dire aussi quelle est votre série préférée sur, eh bien sur Netflix. Allez, on commence, ou alors Stranger Things. Oh, oui! Ah, oh, trop bien, Stranger Things. Oh, je suis contente.
En plus, je sais que vous aimez beaucoup cette série. Et d'ailleurs, petite info, il y aura des lives qui vont commencer normalement au mois de décembre. Et je compte reconstruire Strangerville en Stranger Things. Donc n'hésitez pas à me suivre vraiment sur tous mes réseaux sociaux, puisque c'est là où je vous ferai l'annonce enfin des lives qui vont commencer. Et j'explique aussi d'ailleurs dans ma dernière vidéo, celle que je mets dans le petit, pourquoi je ne fais pas de live sur YouTube, même si je pense essayer. Allez, on commence tout de suite avec le bureau. J'ai envie de faire un bureau d'enfant et en même temps j'ai envie de faire un bureau de scientifique. On va mettre ça comme ça. En fait, c'est pour faire référence, vous savez, quand ils reçoivent dans la saison 1 l'outil qui leur permet en fait de communiquer, vu qu'ils sont responsables club de communication informatique, je crois, quelque chose comme ça. Oh, les guirlandes. Oh oui, les guirlandes. Je pense que ceux qui connaissent en fait doivent savoir pourquoi je mets ces guirlandes. C'est la base en fait dont je trouve dans cette série. On va mettre, alors c'est pas le jeu qui joue, mais ça peut y ressembler, on va dire, avec les cartes. Ouais, on va mettre quelque chose comme ceci. Ouais, comme ça. Quand ils sont en train de faire leur partie. Hop là. C'est dommage, on n'a pas des talkie-walkie. On va mettre ça juste devant la porte. Voilà. Voilà, juste pour faire comme si, eh bien, il faut, eh bien, se décontaminer avant. Oh, est-ce qu'on mettrait la grosse plante juste là? Youp là. Voilà. Et voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Attendez, est-ce que ça, on peut le diminuer? Ouais, faire comme une entrée en fait. Mais le problème, c'est que ce mur-là, il va m'embêter, je pense. Donc voilà, ça fait un peu une petite espèce de petite entrée, voilà, un peu bizarre. On va mettre quoi d'autre? Ah, je sais, pour faire référence à Max, on va mettre un peu le petit jeu là qu'ils ont. Ouais, ça, mais ça prend beaucoup de place par contre. Alors, on va mettre un bureau. Alors par contre, le bureau, ouais, on va mettre ça. Et pourquoi pas mettre un appareil photo pour faire penser à Jonathan? Je crois que c'est dans Moschino qu'il y a quelque chose qui nous fait penser un peu à ça. Ah voilà, c'est ça. L'appareil photo ici. Pareil, là, on va mettre un vieil ordi, hein, parce que vu l'époque à laquelle se passe, eh bien, la série, on va pas mettre d'écran plat. Des vélos. Ah oui, on va mettre les vélos. Les vélos de Will, quand il disparaît. Alors, je sais plus du tout c'est quelle couleur son vélo, mais voilà, hop, on va le mettre là. Et on peut faire aussi mettre un petit peu l'insigne de police pour faire penser à... Alors, je sais plus... Hopper, voilà. J'allais dire, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était Hopper. Et j'aimerais bien mettre des lumières, vous savez, un petit peu à plasma. Ah, c'est dommage, il n'y a pas rouge. Ouais, il y a rose, mais moi, je veux rouge. Voilà. Bon, c'est pas la couleur que je voulais. Peut-être qu'on va fermer les volets, ça serait peut-être mieux. Est-ce qu'on met des papiers un peu confidentiels? Mais je croyais qu'on avait... Ah, voilà. Attendez, ça, je vais plutôt le mettre ici. Oh, on peut mettre ça, hein. Bon, en fait, ce que j'ai mis en dessous, bah, du coup, on le voit plus. Oh, punaise. Peut-être que j'ai oublié la bibliothèque. Ouais, il faudrait peut-être qu'on mette une bibliothèque, qu'on puisse caser une bibliothèque. Ça serait pas mal, quand même, avant de finir. Attendez, je vais essayer de caser celle-ci, mais ça va pas être facile, hein. J'ai jamais fait un bureau aussi chargé de ma vie, hein. Mais voilà. C'est le bureau Stranger Things. Donc, dites-moi ce que vous en pensez si... Oula. Ouais, il y a un petit souci là. Oh non, sinon ça m'a enlevé mon truc. Alors, sinon je le mets là. On va rester comme ça. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais vraiment, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Il n'y a pas d'autres mots. J'aime tellement cet univers, donc voilà. Allez, on va passer à la suite. Bon, honnêtement, si on tombe sur la salle de bain, j'ai un petit peu peur parce que je vois pas... Bon, salle à manger, donc c'est pas le sujet jusqu'à maintenant. Mais si on tombe sur la salle de bain, je sais pas trop ce que je vais faire. Allez, là, franchement, j'ai aucune préférence. Designate Survivor. Alors, Designate Survivor, c'est vrai que j'aurais dû vous faire ça un petit peu avant chaque série. Designate Survivor, en fait, ça parle d'un président qui est président malgré lui. Voilà. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est devenu président des États-Unis à son insu suite à un attentat qui a eu lieu aux États-Unis à la Maison-Blanche ou au Capitole, je sais plus. Et du coup, eh bien, il est élu d'office survivant désigné, bah, Designate Survivor. Et en gros, bah, c'est lui le président. Voilà, pour faire une petite... pour que vous voyez un peu l'ambiance. Allez, c'est parti. Donc, vu que c'est une salle, donc vu que je vous ai dit c'était un peu président, eh bien on va partir sur quelque chose de très très classe. Ça va être assez rapide, je pense, à faire cette salle à manger. Mais c'est un peu vieux, je crois. Enfin, c'est un peu dans le. Honnêtement, j'ai jamais vu les photos de la Maison Blanche. Ça me dit quelque chose. Par contre, j'arrive pas à trouver une bonne couleur qui me corresponde. Ouais, on va prendre celui-ci. On va mettre une sorte de discours là pour faire un discours. Pour faire référence au discours que les présidents peuvent donner. Voilà, celui-ci. Par contre, voilà, je vais plutôt le mettre comme ceci. Donc on va mettre des tableaux pour rappeler un peu le côté patriote qu'ont les Américains le plus souvent. Attendez, voilà, on va mettre celui-ci. Alors comme je vous ai dit, c'est une série qui est pas très connue, donc je peux comprendre que voilà, vous savez pas trop de quoi je parle.
mais faites-moi confiance. ça ressemble à ça. Ah oui, on va mettre des belles bibliothèques. Celle-ci, elle fait vraiment très très classe. Oh ouais, ouais. Par contre, là, on pourra pas s'installer pour manger. Hein. Ah mais là, c'est pas droit. Il y a moyen de... Voilà. En fait, je pense qu'on peut même prendre le même tapis que là, en fait, hein, pour faire un peu la maison blanche. Ouais, 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 ouais. Plutôt pas mal. Ah ouais, bah pareil, on va mettre un drapeau. Qu'on va mettre... Je pense qu'on va même en mettre deux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Peut-être des documents confidentiels ? Ça, je pense qu'en fait, je vais le mettre plutôt par là. Je sais pas si là, par contre, je serai à la bonne hauteur. Ah oui. On est bon de l'autre côté, on est tout bon. Voilà, là il me faut vraiment des tableaux un peu classe. Est-ce qu'on mettrait pas une carte tactique? Parce que bah dans la série en plus on voit souvent qu'il va dans le centre de commandement, il me semble. On va mettre des rideaux, ouais c'est vrai que les rideaux ça peut faire aussi la différence des beaux rideaux. Un peu voilà, dans du kit vintage. On va mettre des petites lampes qui sont assez, vraiment très très sérieux. Elles sont où? Elles sont... Ou alors on met des lampes pareilles de... Ah non, je pense que c'est mieux peut-être... Pff, oh, je sais pas du tout, je suis jamais allée à la Maison Blanche moi. Ouais peut-être, je pense que ça match plutôt bien. Est-ce qu'on mettrait du vin? Oh finesse, on est en train de faire un bureau du président et la fille elle veut mettre son vin. C'est sûr qu'ils ont une cave à vin en plus. Pourquoi je ne trouve pas ma cave à vin? Ah voilà. Ah ouais, prendre la place hein. Ou alors le petit fauteuil ici, hop, entre le vin. Non mais alors là... Enfin, en plus, je dis oui, le vin, mais je vous jure, c'est même pas avec ça qu'on reconnaîtra la série, quoi. Wow, mais franchement, j'adore. J'aime bien. Et là, pour moi, ça fait Designated Survivor, honnêtement. Bon, allez, on passe à la prochaine série pour tout simplement faire la salle de bain. D'ailleurs, pourquoi elle est autant éclairée comme ça? Il manque un mur ou quoi? Ah bah non. Donc, bien évidemment, je ne vais pas tirer la pièce puisque c'est tout simplement la salle de bain. Allez, on y va tout de suite. Elle est à la salle de bain, je... Pff. You, une salle de bain, you. Oh, je crois savoir, mais ça va être un peu compliqué. Mais il y aura des bibliothèques, en fait, dans toutes les pièces, là, en fait. Alors, you, pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui est un peu psy... Enfin, qui, non, qui n'est pas un peu... Il est psychopathe, en fait. Il est obsédé par une fille, tout simplement, qui vient acheter des livres. Et, en fait, eh bien, il devient un psychopathe à partir de ça. Et donc, c'est un libraire, voilà, pour vous résumer un petit peu la série... Ouais, on va prendre plutôt celui-ci et on va mettre du béton. Donc, pour faire You, tout simplement, on va faire des bibliothèques parce que c'est la base de la série, en fait, tout simplement. Ouais, là, je pense qu'on est vraiment... On est vraiment sur une salle de bain qui est très, très insolite, hein. Je crois que vous n'avez pas vu deux salles de bain comme celle-ci. Pour la baignoire, je partirais bien sur quelque chose comme ça. Ça fait un peu ancien, mais en même temps, ça fait super... Enfin, je trouve que c'est super bien. Par contre, ce qu'on va faire aussi, c'est pour faire penser à You, on va faire une sorte de mur avec des vitres. Parce que pour ceux qui ont regardé la série, en fait, il enferme quelqu'un dans un endroit en fait où on enferme les livres pour les préserver. Donc je me dis qu'on ferait ça, ça pourrait faire un petit rappel. Et en plus ça peut faire ressortir dans la série le côté où il y a les livres qui sont stockés dans cette pièce justement. Trop bien. Bah déjà il faudrait mettre des toilettes, un lavabo, la base quoi en fait, carreau déjà. honnêtement je pense qu'on s'en fiche un peu du lavabo et tout ça. C'est pas ça qui va vous dire ouais c'est la série You. Hop, ça on va mettre ça là et ça. Oh là mais pourquoi ça bouge comme ça? Oh punaise, c'est bug qu'on adore. Je crois que dans la série le tapis il est un peu dans ce délire là. Oh punaise, c'est horrible. Voilà. On va mettre une petite valise. Ah, les toilettes aussi. J'allais oublier les toilettes. Le petit papier toilette. Voilà, qu'il faut pas oublier dans les constructions. Je l'oublie souvent, hein, vous inquiétez pas. Du coup, je pensais mettre aussi la valise de livres. Hop là. Avec des livres. Est-ce que vous avez déjà vu dans une salle de bain autant de bibliothèques? Franchement, je ne crois pas. Ouais, j'ai bien envie de mettre ça. En plus, on parle... Je crois que c'est le papa à la romancière, là. Le capitaine. Ouais, je crois qu'il s'appelle comme ça, le capitaine, dans la série. Ah oui, il y a une boîte où, en fait, il renferme des choses qui vont, en fait, révéler à la romancière, en fait, son identité. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on... Ah, voilà, un petit carton comme ça. Est-ce qu'on peut rajouter, quand même, un ordinateur pour faire comme si, en fait, comme il la surveille via les réseaux sociaux?
Oui, je vous ai dit, hein, il est pas net, hein, le gars. Franchement, il est vraiment, vraiment pas net. Elle était très bizarre, d'ailleurs, la série, un petit peu, au bout d'un moment. Ouais, il est tard, je commence à péter un câble avec cette série, là, You. Je me rappelle plus de grand chose, mais honnêtement, je pense qu'on va s'arrêter là. Je la trouve déjà suffisamment bien remplie comme ça pour savoir que c'est quand même You. Il y a pas 40 000 séries où vous avez une présence omniprésente de la bibliothèque. Donc voilà, je sais pas si on fait le couloir. Il manque plus que le couloir. Allez, est-ce qu'on le fait pour le petit plaisir? Allez, on va le faire. Bon, allez, pour le couloir, qu'est-ce qu'on aura? Sabrina! Oh, pas mal! Allez, on va faire la... Alors, attention, je n'ai pas vu la série Sabrina. Je vais faire, moi, de mes souvenirs, mais de la série, je vais quand même regarder quelques images, mais je pense quand même que ça va pas être assez compliqué. Bon, de ce que j'ai vu, c'est une déco victorienne, donc on va partir sur ça. Alors, il y a quelque chose, par contre, ça c'est sûr que je vais le mettre tout de suite. Je pense que... Je sais pas s'il est présent dans la série, mais c'est Salem. Le petit chat noir. Oui! Que je fais plus gros, oui, c'est un gros chat. On va mettre la petite cheminée. On va prendre chien un chat, hein. Ouais, on va prendre chien un chat. J'aurais dû mettre le, enfin, je vais mettre un canapé ici et un canapé de l'autre côté, puisqu'à l'époque il y avait pas de télé, hein, très clairement. En fait, ça fait pas assez victorien pour moi. Alors, ah, peut-être ça, ouais, ça, je suis plutôt d'accord, je pense. On va prendre ce petit tapis. Enfin, ce petit tapis. Encore une fois, tout est relatif, hein. Parce que là, il est pas vraiment petit. En fait, le chat, je vais le réduire et je vais le mettre ici. Oh, c'est trop mignon. Ok, je viens de voir un truc. C'est une maison de poupées. Et je la vois sur toutes les images. Alors, je sais pas si c'est important. Mais en tout cas, l'ambiance de la maison, ça m'a trop donné envie de regarder la série. J'adore. La maison de poupées. Évidemment, on l'a pas en noir sombre comme il y a sur la série. Vous pensez que ça fait ça? Et on va la mettre sur une petite table, parce que je crois qu'elle est présente sur une petite table, donc pourquoi pas. Voilà. J'ai vu une image du trailer avec un balai. Donc écoutez, alors peut-être pas ce balai-là. Non, là, peut-être pas celui-ci, mais un autre. D'ailleurs, j'aimerais bien refaire Monde Magique, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Ah bah voilà, c'est cela. Punaise, j'ai eu un petit peu peur quand même. Voilà, celui-ci, il est pas mal. Oh, ça pourrait faire ça, non? Ça pourrait faire où je suis hors sujet. En fait, ce qui est marrant, c'est que je fais la décoration d'une série que je n'ai jamais vue. Ah, voilà. Ah, merci. Ça, je pense que ça y va. Par contre, ça, on enlève. Oh, ça fait... Ouais, j'aime bien. J'aime bien ce style. Et il y avait une sorte de table basse au milieu des deux canapés. Celui-ci, en fait, je le trouve un peu trop clair. Ouais, voilà. Là, c'est plutôt bien. Là, j'aime bien. En tout cas, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Du coup, c'était assez marrant de le faire, mais bien évidemment, ce qui est compliqué, c'est d'avoir vu quand même un maximum de séries pour pouvoir faire ce challenge. Mais honnêtement, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. J'étais pas trop, comment dire, j'ai pas trop été convaincue, notamment avec The Witcher, mais en fait, je trouve que ça ressemble pas mal à la série. Ensuite, on a Stranger Things. Alors là, on s'est éclaté sur Stranger Things. Honnêtement, c'est une des séries qui me plaît le plus. Donc là, on a les nouvelles aventures de Sabrina, Narcos, You. Ensuite, on a Elite. Comme on dit, et Designated Survivor. Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette construction vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Voilà, et n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié certaines choses ou si je me suis trompée sur d'autres choses, en fait. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas, et bien évidemment, à vous abonner si ça vous plaît, à liker et à commenter. Ça me fait toujours énormément plaisir. Et je le répète encore une fois, j'ai mis dans la description de la vidéo, et bien, tous les liens de mes réseaux sociaux pour pouvoir me suivre. Sur ce, moi je vous laisse, prenez soin de vous et nous on se retrouve très très vite. À la prochaine !